un cahier d'exercices, une ardoise, un cahier de leçons, des documents essentiels à la révision des cours. Ce matin, Abigail, en classe de CM2, se prépare pour l'école. La jeune fille passe le CEP cette année. Je suis la tante d'Abigail. Je lui souhaite bonne chance à l'examen. Elle va à l'examen le 21. Je lui souhaite en tout cas bonne chance. Que Dieu va avec elle, le Saint-Esprit soit avec elle. Bien réviser ses cours pour réussir son examen, c'est l'objectif d'Abigail et de ses camarades. Elle les retrouve ce matin à l'école. Ils sont tous élèves à l'EPP Biabo 2. Au programme, des cours de mathématiques. Ce matin, nous sommes en pleine révision. Ici, nous avons deux classes. Nous avons la classe de CM2 A et B. Et ce matin, le maître de CM2 a un problème de santé. Donc, vu que les examens avancent, on était obligés de rassembler tous les élèves pour faire la révision avec eux. C'est la période des examens à grand tirage. Et ses élèves ne veulent en aucun cas manquer le rendez-vous. Étienne Nguissan, le directeur de l'établissement, a mobilisé son personnel, notamment les enseignants de la classe de CM2, afin de réussir cette mission. Pour ce matin, noter que nous sommes en pleine révision au niveau des examens de fin d'année. Bien sûr, les compositions de passage se sont déroulées depuis hier, mais je crois que ça prend fin ce matin. Et donc, on est en train de faire les révisions véritablement pour le temps qui reste avant la date de déroulement des épreuves écrites. Biabo 2, c'est les résultats assez excellents. L'année dernière, nous étions à 90%. Les années antérieures, c'était pareil, et donc nous n'avons pas l'intention de baisser ce niveau. Des révisions possibles en classe, mais aussi en ligne depuis quelques années. En Côte d'Ivoire, il existe des solutions innovantes pour aider les apprenants à mieux se former. C'est le cas de la plateforme digitale Perform. À Cocody-Angré, nous avons rencontré la responsable de la start-up. Les 10 000 leçons vues, quelles sont les classes et quelles sont les disciplines qui ont été vues, tu vois? Il y a des trucs qui vont revenir plus souvent. Et ça nous permet de voir, finalement, les 10 000 leçons vues, c'est que les gars de 3e. Elle explique qu'il est possible de faire ses exercices en ligne, tout en suivant sa progression. L'application permet d'accéder à tous les contenus académiques, donc toutes les leçons que les enfants apprennent du CM1 à la terminale. Donc l'enfant a accès à ses fiches de révision, l'enfant a accès à tout ce qui est exercices liés à toutes les leçons qu'il a, et enfin il a accès à un annal de sujets de devoirs et d'examens. Donc on a extrait dans ces dernières années, dans ces 3 dernières années, on a extrait l'ensemble des sujets d'examen, on les a mis sur l'application. Donc l'enfant a la possibilité de réviser ses cours par chapitre, par discipline et d'avoir en ligne des corrections qui sont liées à chaque exercice. Par exemple, je veux réviser, je suis en classe de CM2, donc je m'inscris et j'accède, je m'inscris sur un téléphone Android avec un numéro de téléphone, ça peut être un numéro d'un de mes parents, et j'accède à l'application. Et l'application me permet d'avoir toutes les disciplines qui sont au programme national. Donc là, je choisis par exemple histoire et géographie. Donc en histoire et géographie, tous les chapitres au programme apparaissent, je choisis tout ce que je veux, donc en termes de leçons. J'ai accès à des fiches de révision de la leçon exploitation forestière par exemple. J'accède à l'ensemble des contenus de la leçon. Ensuite, j'accède au contrôle. Donc les contrôles, c'est un peu comme les interros ou les quiz qu'on fait à l'école. Et j'accède enfin aux devoirs. Les devoirs, ce sont des exercices extraits de sujets d'examen, examen blanc, examens nationaux, composition centralisée. Disponible sur Google Play, Perform facilite les révisions dans plusieurs disciplines. Puis on sait que les enfants utilisent le téléphone, mais ils ne l'utilisent pas pour apprendre. Donc on vient aussi donner
cet outil d'apprentissage-là qui permet en un clic de réviser une leçon, qui soulage le parent parce que le parent n'a pas forcément le temps de réviser la leçon de l'enfant et connaître les réponses. Donc ça vient soulager non seulement le parent et ça vient aider l'enfant à gagner du temps dans ses révisions et à se concentrer sur les points qu'il ne maîtrise pas. Des outils pédagogiques à la disposition des apprenants. Ceux-ci, dans le but d'augmenter leurs chances de réussite dans les examens à grand tirage. Toutefois, aucun résultat n'est possible sans au préalable rigueur et discipline.